Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. On va vous faire une petite recette de cuisses de poulet, vous allez voir. Super simple. Rôti au four. Très simple, vous allez voir, avec des légumes. On met tout ça au four, on se prend pas la tête. Et qu'est-ce que c'est bon, on y va. Alors, premièrement, regardez, je commence par assaisonner mes cuisses de poulet avec un petit peu de fleur de sel et je les mets au fond de ma plaque à rôtir. Je vais tailler les légumes. Mais c'est pas compliqué. Hein. Maintenant, nous allons émincer les oignons grossièrement. Hein. En fait, ça n'a aucune importance. En fait, il faut prendre en compte que ça va cuire 25 minutes après. Donc, il faut vraiment pas couper trop fin. Il faut que ça cuit, mais pas trop. Voilà, idem pour les carottes. Regardez, du céleri, des oignons. Ça va faire aussi la garniture. Vous allez voir, tout va être consommé. Et vous faites, regardez, en moins de 5 minutes, un plat diététique et hyper gourmand pour deux personnes. Voilà, regardez, hop. En fait, c'est un plat qui il y a la garniture de légumes en même temps. On emmène un petit peu de tomate pour avoir quelque chose pour l'humidité. On va mettre, regardez, de l'ail en chemise. On va mettre du joli thym de saison. On y va. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, elle est de saison. Tac, regardez. On va mettre un petit filet d'huile. Voilà. On n'en met pas trop parce qu'en fait, la peau du poulet va lâcher un petit peu. Voilà, on remet un petit peu de sel. Voilà, un petit peu de fleur de sel. Le tour de poivre juste à la sortie du four parce qu'en fait, le poivre n'aime pas trop les cuissons trop fortes et il est dénaturé. On y va, on a préchauffé notre four à 180 degrés. On va le cuire 25 minutes, pas plus. On va avoir quelque chose de super bon. À tout de suite. J'enfourne. Bien, nous allons sortir le poulet du four. Verdict, roulement de tambour. Regardez, quelque chose de un petit peu soufflé, un petit peu croquant, regardez. Regardez, c'est coloré là. On voit bien. Un peu soufflé là. La peau elle va être super bonne. Hein. Okay. Vous n'oubliez pas d'ajouter un petit tour de poivre du moulin. Vous servez ça avec une belle salade verte. C'est simple, c'est bon. C'est de la cuisine de tous les jours. Et alors maintenant, c'est à vous. Bon appétit.